avec nous, venez battre le fer. La radio, oui, c'est notre univers. Sous le signe de l'apéro tac, on est tous d'attaque. Et oui, on est tous d'attaque. Salut les globules et bienvenue à l'apéro tac. Ici c'est Rio de K. Et bienvenue dans l'émission qui vous enivre de l'actu otaku avec moi. Ah oui, enivre-moi. Oh, j'aime ça. Vite, un verre de saké. Avec moi, du coup, Yota, Emma et Blackstar, comment vous allez ? Bonjour. Bonjour, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Oui, bien, bien, bien. Bien, 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 bien en dimanche. En dimanche, oui, tout à fait. C'est le cas de le dire. Regarde, j'ai des belles manches. Il y a Blackstar qui boude. Ouais. Zeruba ! Il est sur Twitter. Mon Dieu, il m'attaque avec des... Avec Zorzizi, des, avec attends, des attaques, qu'est-ce que tu racontes ? Avec des attaques de Dragon Quest. J'attendais mon invocation, c'est tout. Ouais, mais j'avais bien compris. Et il a cramé. Macramé, quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi macramé ? Super crame. C'est quoi ce délire? Hop, ah bah ça c'est mieux comme ça, dis donc. Ouais. Pour une nouvelle émission de l'apéro tac. Et pour lancer cette nouvelle émission de l'apéro tac, les amis, je vous propose le Tadoshi Kokoku. Ah, voilà. Attention, celui-ci, ça frappe dur. Ouais, il sera refusé sur YouTube. Non, il ne sera pas refusé sur YouTube. Et tu vas me la faire la blague à chaque fois, c'est ça ? Je pense. Oh, allez, c'est parti. Une crêpe ! Otama wa tsukai yo, kaado mo tsukai yo. 永久不滅ポイントだからセゾン。Alors, des idées ou pas des idées ? Ah mais moi j'ai trouvé. T'as... J'ai compris tout de suite moi. T'as trouvé tout de suite ? Ouais. Ça serait pas pour un truc énergisant, une boisson énergisante ? Non. Moi je pense que c'est pour du gel. Gel pour les cheveux, genre. C'est... Ah oui, comme la vieille pub là. T'as vu ? Ouais, ouais, les mecs qui découpent des buildings avec leurs cheveux, ouais, tout à fait. Moi, je pensais plus, tu sais, comme on est au Japon et que les jeunes femmes n'aiment pas du tout sortir non maquillées, mais vraiment pas maquillées, mais vraiment maquillées. Donc, je pense, tu sais, à une crème au visage, et en tout blanche, mais c'est une crème un peu épaisse, dure, ce qui fait qu'elle peut frapper comme ça les choses et elles sont même pas mal. Ça me rappelle une publicité où il y avait une gonzesse qui faisait sur une table, tu la voyais mettre du rouge à lèvres, du mascara et tout, ses yeux, tout. Enfin, tu vois, elle mettait tout sur la table, elle donnait un gros coup de boule sur la table et hop, elle revenait et elle était complètement maquillée. Ah ouais, technique, c'est bien. C'est je sais que c'était une pub asiatique, mais je ne saurais dire quelle origine. Tu m'en diras tant. Ça me faisait rire. Ça donne des idées. Oui, bien sûr. Ouais. C'était impressionnant dans tous les cas. Et je te jure, tu la vois tranquille et tout. Et puis là, d'un coup, bam, mais violent, hein. C'est vraiment plus violent que le coup de boule dans les trucs de béton là. Il y a qu'au Japon qu'on peut voir ce genre de pute de toute façon. Ouais. Avec les. C'était impressionnant. Pas un truc qui marque, c'est pour ça. Mais oui. C'est ça, c'est peut-être un truc. Il y a par ça. Bon, alors du coup, vous bien sûr vous pouvez commenter, hein, dire quel produit c'est. Ah oui, je vois un beau commentaire là, mais je dirais pas ce qu'il dit parce que c'est trop grave bleu. C'est trop, oui, voilà, exactement. on passe à l'apéro news. Allez, c'est parti. C'est l'apéro news quoi. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous ai concocté cette news. C'est
Pas forcément la folie, mais il y a quelques petits trucs intéressants. La première news concerne Kazé, qui annonce sa gamme de calendrier 2021, qui sera en librairie à partir de la semaine prochaine, vu que ça sortira à partir du 14 octobre. Donc, il y a quatre titres qui sont annoncés pour le moment. Demon Slayer, Dr. Stone, Black Clover et Captain Tsubasa. Donc, c'est des calendriers assez classiques, 14 pages. C'est du 30 sur 40, je crois, un truc comme ça. Et ils seront aux alentours de 10 euros pièce. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les commander, soit au niveau de votre libraire, soit en grande surface aussi. Je pense que ça sera trouvable facilement. Mais voilà. Intéressant. Pour la deuxième news, ça concerne toujours Kazé. Cette fois-ci, on bascule dans la branche DVD. Vu que normalement, il y a l'édition Blu-ray de Nana qui devrait sortir dans les prochaines semaines. Et en fait, on nous annonce que il y a une... On savait qu'il y avait l'édition collector qui allait sortir. Mais en fait, Kazé annonce en douce une autre édition simple. Et moi, ça m'a fait un peu doucement rigoler. Quand on fait le rapport qualité-prix entre l'édition collector et l'édition simple, ça fait un peu... Qu'est-ce que ça rapporte de plus, quoi ? Ben ouais, en gros, je crois qu'il y avait quelques illustrations. Là, par exemple... Les cartes postales. Pour l'édition simple, si tu veux, tu as soit les DVD, soit le Blu-ray. Tu avais donc les 50 épisodes VO. Et je crois que c'était principalement tout. Et si tu regardes la collector, tu avais juste quelques lithographies en plus, en fait. Donc, Et combien d'euros de différence ? 30 balles de différence. Oh, la vache. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Je dis un gros mot. Mais là, franchement, c'est je comprends pas. Il y a pas de plus-value réelle. Parce que regarde, dans celle qui sort le 17 novembre, tu as 6 ex-libris en plus et 3 shikishi. Elle est à 100 balles. Alors que pour la Blu-ray, donc il n'y a que la Blu-ray. Et l'édition simple, ben, tu n'as juste pas les shikishi et les ex-libris. Et pour le Blu-ray, c'est à 70 euros et pour le DVD, à 60 euros. C'est super cher pour une série qui a quand même plus de 10 ans, oui, 15 ans. Qui a déjà fait son beurre, j'ai envie de dire, quelque part. Oui, et d'un avis très perso. Ouais, mais c'était jamais sorti en Blu-ray, donc là, on comprend. Voilà. Après, tu vois, est-ce que c'est quoi Blu-ray remasterisé ou c'est une image en 4 tiers classique sans avoir. Parce que moi, j'ai vu sur ADN Nana, je crois que c'est sur ADN, non, qui est où sur. Oui, c'est sur ADN. Ouais, c'est en 4 tiers. Je l'ai vu, donc il n'y a pas longtemps. Enfin, j'ai regardé quelques épisodes. Et je dois dire que c'est pas facilement regardable aujourd'hui, je trouve. Ouais, c'est de l'époque, tu vois, c'est très compliqué malgré tout. Des demi, c'était encore, ils se recherchaient pas mal, je trouve, en graphisme et en 3D avec un peu de 3D dedans. Enfin, j'ai pas accroché direct. Moi, j'aimais pas l'histoire. Je pense que le prix va se justifier de façon que, si tu veux, l'édition Blu-ray de Nana, c'est une édition en exclusivité mondiale. C'est-à-dire qu'au Japon, ils ont jamais eu de Blu-ray sur Nana. Donc, je pense qu'ils vont le vendre à l'international aussi. Même si ça sera du sous-titré. Et va dire aux Japonais, ouais, on va vendre vos CD 20 balles, alors que même le Japon, il les ouais, a pas c'est achetés, clair. Tu vois. Ah, mais attends, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, de base, déjà, Kazé, ils ont un tarif qui est, qui est pas... C'est pas du... c'est pas les coffrets Saphir, tu vois. Ouais, non, voilà, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Moi, ce qui me fait doucement rire, c'est que j'étais sur Amazon dans la semaine, et je regardais, puis il y avait Capitaine Flamme, donc en version collector. Il y avait une petite baisse de prix dessus. Et puis je regardais les commentaires. Et en fait, je tombais sur des commentaires internationaux. Et dedans, tu n'avais que des Japonais qui avaient acheté la version européenne parce que ça n'existe pas chez eux en version Blu-ray. Et tu avais plein de gens qui étaient. Comment il faut faire ? Oui, on lit avec VLC parce qu'à cause du PAL. Qui n'est pas du NTSC comme chez eux, bah eux ils peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas le lecteur DVD ou Blu-ray qui permet de le faire. Et donc c'était assez rigolo de voir qu'ils achetaient tous en Europe des trucs que chez eux ils ne sortent pas. Et je pense que Nana ça va être un peu pareil. Je pense que s'il y a des fans, enfin il y a sûrement des fans au Japon, du coup qui vont certainement acheter la version internationale parce qu'ils peuvent enlever les sous-titres ou même avec les sous-titres dire ah en plus c'est en français, on peut apprendre le français. Oui. Je vous incite à aller voir les commentaires sur les box qui ont pu sortir. C'est assez étonnant. Je t'avoue que j'ai jamais accroché à l'histoire. Par contre, j'ai toujours adoré les musiques. Donc, ah oui, oui. Alors après, voilà. C'est vrai que. Mais après, c'est encore une fois, c'est Nana. C'est pas une série. Je crois qui termine le manga non plus.
Donc bah, moi ça m'énerve un peu fini, d'avoir des ça comment fait, le manga est toujours pas fini hein, ça fait ouais en plus ils sont en stand-by tu vois donc bah, j'ai bien fait de pas continuer du coup alors après moi ce que j'aimerais savoir c'est que est-ce que ils ont vraiment retravaillé les épisodes pour qu'ils soient sur un Blu-ray ou est-ce que c'est simple un simple scale qu'ils ont mis sur Blu-ray ça ah, peut se faire c'est en sous-entendant c'est pas ça peut se faire aussi c'est pas un mal. Mais moi, je trouve que le prix dans ces cas-là est beaucoup trop important par rapport à ce que c'est. Si c'était un vrai Blu-ray. Il faudrait peut-être d'abord avoir les retours avant de se. Avec un HD Master. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà, c'est si ça, si c'est fait. Pas un Blu-ray tiré de. Si c'est pas un upscale, d'un... c'est bon, quoi. Ouais, en fait. Là, c'est si ça. C'est un vrai, une véritable version Blu-ray. Moi, des fois, j'ai trop l'impression qu'on 2009, se fait avoir. En fait. Ouais. Allez, news suivante. Alors, pour la news suivante, ça concernait Manga.io, qui a annoncé en fait que 3 nouveaux éditeurs allaient intégrer leur catalogue. Donc, Manga.io, c'est une offre numérique sur un catalogue. En fait, vous payez l'abonnement concernant tous les titres qui sont dans le catalogue. Et donc, avant, il y avait Black Box, il y avait eu aussi Naban qui avait rejoint avec notamment Old Boy. Et donc, là, ils annoncent l'arrivée de Nazca, donc Nazca avec Todag. De Mao Edition dont comment s'appelle Black Fury sort cette semaine et Blood and Steel de chez de Kotoji donc ces trois titres apparaîtront dans le catalogue je crois que c'est déjà sorti ou c'est sur le point de sortir mais en tout cas ces trois éditeurs arrivent dans le catalogue de Manga.io. Juste si ça vous intéresse. Une petite remarque personnelle hein, personnellement, c'est au niveau du rendu de la couverture de Todag. Je trouve que ça fait hyper amateur en fait. Je suis d'accord. C'est déjà Todag, ouais, c'est le raccourci du nom. C'est le raccourci du nom de la série. Ouais, non, mais après, s'il faut dire aux gens Tales of Demon on God, tu vois. Bah ouais, mais en même temps, Todag. Bon, bah non, je parle même pas du dessin, je parle vraiment du titre, comment il a été fait avec le. Oui, mais c'est ça. Je trouve ça trop trop moche en fait. Mais c'est ce que je te dis. C'est ça que je te parle. Todag, le mot Todag, j'ai l'impression. Todag, pour moi, c'est un truc qui a été pris par les fans et c'est pas le nom de la série. C'est le nom de la série, c'est Thales. Ils auraient dû à ce moment-là faire un truc avec le titre. C'est pas la première fois qu'on a des titres longs. Après c'est non on peut très bien avoir un titre avec le sous-titré mais après c'est la police enfin la manière dont a été créé le design de Todag qui est mais moi les deux en fait pas... les deux en voilà, fait quoi. Le graphisme notamment mais ouais. Le graphisme c'est clair non le graphisme c'est ça sent l'amateurisme et je trouve ça un peu dommage quoi, parce que après vu que c'est une petite maison d'édition voilà. qui vient de commencer tu vois je suis pas sûr qu'ils ont les moyens de mettre un graphiste pro peut-être que c'est comme pour Black Box encore une fois hein sur multitâche tu vois donc ça reste des petites boîtes ouais bon, je sais bien mais tu t'embauches mais voilà d'ailleurs la vidéo sur Ota conseille-moi un métier j'avais interviewé une graphiste et donc ouais. Si ça peut vous permettre de voir un peu le travail des graphistes en fait au niveau des mangas ça c'est important hein. Rappelle où on peut voir la vidéo sur la chaîne YouTube Ota Conseil. Voilà. De toute façon, vous avez le lien du site dans la description. Donc, voilà, c'est l'instant auto-promo. Mais si, c'est normal. Non, mais voilà, t'as bien raison. Si ça permet de nous faire changer d'avis, en plus, c'est cool. Non, mais c'est vrai que le métier de graphiste, c'est un métier qui est en fait au final très ingrat. Méconnu. C'est oui, déjà ingrat. Mmh. C'est-à-dire qu'on va dire, ouais, tu peux me faire un logo pour 50 balles. Ben, débrouille-toi. je vais pas te faire un logo pour 50 balles. C'est quoi ça? Je vais passer des heures, des fois des. Tu vas passer un mois à travailler un logo, des fois. Et le mec, il va te payer 100 ou 200 balles. Bah, tu fais, bah non, c'est pas ça que ça coûte. Moi, il faut que je mange derrière, tu sais. si tu veux payer un truc... Pour acheter un kebab, c'est bon. Hein. 200 balles, tu vas chercher ça sur le net chez un graphiste qui sait pas, qui connaît pas les prix. Et... Tu vas sur le site Police Story et c'est bon. Voilà, c'est ça. Ou tu vas sur Dafont, tu trouves une police et puis c'est ça, quoi. Non, mais c'est vrai que... Non, c'est le métier de graphiste, c'est un métier qui... Bah, comme le métier de photographe, c'est des métiers comme ça qui sont. On dit, oh bah non, ça va, c'est que des photos, ou c'est qu'une illu, ou c'est qu'un logo. Bah oui, mais si c'est que ça, alors fais-le toi-même. Je veux dire, si t'as pas le talent pour le faire, faut le payer le talent. Voilà, ou le travail que le mec a fourni pour apprendre à avoir ce talent. Donc voilà, c'est compliqué. Mais ouais, allez sur du coup. Et pour autant, Todag, c'est un très bon manga. Enfin, Todag, c'est un excellent manga, je confirme.
c'est vraiment excellent. Il ne faudra pas s'arrêter juste à la police du titre. C'est ça, tout à fait. Voilà. Ah oui. Non, mais oh. Alors, oh, mais oh, y va. Donc, news suivante, du coup. News suivante, allez. Alors, c'est un peu la vague de coffrets qui arrivent en fin d'année. Pas forcément intéressant en termes de tarifs, mais par exemple, là, il y a Panini qui a annoncé des packs de 3 tomes. Non, tu me déconcentreras pas, c'est pas grave. Je peux toujours essayer. Donc là, il y a 3 séries qui sont concernées. Vampire Knight, Demon Slayer, City Hunter. Donc, leur prix ne change pas en soi, parce que ça sera au prix des 3 tomes. Donc, pour Demon Slayer et Vampire Knight, ça sera au tarif de 21€. Pour City Hunter, ça sera à 29€, comme les prix des tomes. Et en fait, le coffret, ben, j'ai juste un coffret avec, je crois, il y a quelques illustrations en plus dedans. Ouais, ils auraient peut-être pu faire un effort au niveau du prix. Ouais, mais ça vaut au niveau du prix. Si tu calcules par 3, ça fait le coffret offert, quoi. C'est juste le coffret qui est offert, c'est juste si tu veux l'offrir, je sais pas, à Noël. À oui, voilà, je suis d'accord, mais tu sais, souvent, quand t'as des coffrets comme 9,90. Ça, c'est pour relancer une série ou que ça se rachète, etc. Et c'est vrai que, bon, ben, bon, là encore, à part Vampire Knight, je pense que City Hunter, ça se vend toujours. Demon Slayer, c'est évident. Ah, oui. C'est l'occasion aussi, tu me diras, d'attaquer ces séries-là. Par contre, ils ont fait une offre enfin, qui sortira pratiquement en même temps. Donc là, je n'avais pas annoncé la date, mais les coffrets ils seront disponibles le 12 novembre. Par contre, il y a une offre en parallèle qu'ils ont fait sur Sensea Next Dimension, sur laquelle, en fait, tu auras les 3 premiers tomes au prix de 2. Donc là, je ne l'ai pas mis dans la news parce que c'était un petit peu à l'écart, mais voilà, j'y pensais aussi. Et sachant, je pense aussi que s'ils nous ont remis Vampire Knight, c'est comme ils sont sur une vague de réimpression de tous leurs titres. À partant du 1, c'est-à-dire qu'ils ne font pas des tomes manquants, ils rééditent tout à nouveau. Je pense qu'aussi, c'est un peu pour voilà, commencer à revendre la série. Ouais, après, c'est cette série-là, en fait. Après, c'est Panini, hein. Ça se saurait s'ils faisaient des réducs. Ah, bah, ils en font sur Senseiya, hein. Oui. Voilà quoi. Et ils en ont fait sur 4 size là, pendant l'été aussi, oui. Sur plein de titres. Moi, j'ai commencé, je crois que j'ai pris le tome sur le comics en tout cas. Parce qu'il était à 5€. Pareil pour moi, j'ai pris le premier de 4 size. Je faut que je me refasse le reste maintenant. Mais 4 size, je les avais achetés en intégral juste avant. Donc oui, mais j'avais un peu décroché, ça m'avait énervé, je les avais revendus en fait. Bizarrement, parce que j'arrivais pas à rentrer dedans dans le manga. Alors qu'avant, oui, mais maintenant, moins. En même temps, normalement, un manga, ça se lit, hein, tu rentres pas dedans. Hein. Oui, mais... ça dépend ce qu'on veut y faire. Hein. Non, mais on veut pas savoir. Il y a des pages, voilà, il peut faire ça. Pourquoi les pages sont collées? Parce qu'ils rentrent dedans, tonton Yota. Pourquoi il y a un gros trou rond au centre? Je ne suis pas responsable des dires de ces deux malotrus. Moi, par contre, je vais réfléchir à deux fois à se péter mes mangas. Hein. Alors, news suivante du coup. News suivante, ça concerne Netflix qui a annoncé la semaine dernière, je vous avais annoncé un live de Alice in Borderland. Ils continuent sur leur lancée, cette fois-ci c'est du côté de Resident Evil, vu qu'il y avait déjà une série live qui est annoncée, ou une série ou un film qui est annoncé pour l'année prochaine. Et là, ils ont annoncé en fait une série d'animation. Donc, toujours prévue pour 2021. C'est pour les 25 ans de la franchise Resident Evil. Qui accompagneront aussi Resident Evil 8 Village qui est annoncé sur PS5 et Xbox Series X. Donc à voir sur cette nouvelle série. C'est en 3D CGI, en sachant que c'est TMS Entertainment qui s'occupe de la production de l'anime et c'est un studio qui s'appelle Gekiko qui s'occupera de la gestion de la CGI. Ouais, ça me parle. Enfin, les deux TMS, on connaît bien, mais Gekiko, ça me parle aussi. Et en tout cas, l'image est jolie, en tout cas. C'est vrai. Bah, c'est toujours été bien joli. Hein. Tu regardes les films de Biohazard qui sont sortis. Le premier était sympa. Le deuxième, bon. Un peu moins, oui. Un peu moins, mais alors le troisième, c'est une catastrophe. Ça, il faut le dire. J'ai regardé que le premier. Là, j'ai pas pu vous le balancer, mais il y a un trailer de dispo. Donc, si vous voulez voir les premières images, c'est pas mal. Allez faire un tour sur YouTube. Ben. Voilà. News suivante. Alors c'est aussi toujours des coffrets. Là cette fois-ci on passe chez Kurokawa avec deux coffrets. Le premier c'est Arslan. Noël. Alors du coup Arslan qui est là, voilà. Tout à fait. Et le deuxième c'est Pokémon Rouge Feu, Vert Feuille et Ciseaux. Tais-toi.
Émeraude. Pokémon, l'ami des enfants. Donc, Arslan, il comporte trois tomes qui fait un total de 23 euros. Pour Pokémon, c'est 4 tomes pour 40 euros. Donc, vu que c'est 10 tomes, les tomes doubles chez Kurokawa de Pokémon. Donc, si vous voulez vous faire plaisir à Noël ou faire plaisir à vos amis, à votre famille, ça peut être aussi des idées de cadeaux là-dessus. Arslan, ça m'intéresse parce que j'ai toujours voulu la commencer, celle-là. J'ai toujours pas commencé. Mais quel homme. Moi, je l'ai arrêté, j'ai revendu. Bah, j'ai pas. Enfin, j'ai juste qu'il faut à un moment, faut choisir. Ouais, choisir Arslan, voilà. Choisir. Ah, par contre, j'ai pris les. Si ça se voit, mais là, regarde tout ce que j'ai à lire là. J'ai tout ça à lire là. Je ne veux pas le savoir. Moi, ça m'a un peu bloqué parce que comme on a rattrapé le manga, du coup, c'est un tome par an quasiment, et donc ça m'a un peu saoulé de devoir attendre à chaque fois. Donc, en même temps, quand t'es sur 4 séries différentes, tu vois. Faut arrêter de travailler sur 4 séries différentes. Parce que, pour rappel, Hiro Murakawa, elle bosse sur Noble Paysan, elle bosse sur. Mais il faut choisir dans la vie, hein. Faut arrêter. Elle est en train de finir Silver Spoon. Elle est sur un manga qui est toujours pas édité en France, plus Arslan, tu vois. Mais j'adore, franchement, j'adore son style. Depuis, en fait, je l'ai découvert avec Full Metal, comme beaucoup de personnes. Et j'adore son style de dessin. Franchement, j'aime beaucoup. C'est une de mes mangaka préférées. Ouais. Ça, c'est clair. Voilà, et on va faire l'instant promo Kurokawa, vu que là, actuellement, il y a l'artbook Full Metal Alchemist qui est en librairie, qui vient de sortir cette semaine. Donc, encore idée de cadeau de Noël, il est aux alentours de 40 euros. Donc, si ça vous intéresse. Noël, t'inquiète, tu vas pouvoir le continuer sur la liste. Et pour la dernière news, du coup, vas-y, tu peux chanter Joyeux Noël. C'est. Chainsaw Man qui sort en coffret deux tomes pour le moment. Donc ça sort le 14 octobre, donc la semaine prochaine, aux alentours de 15 euros, donc comme le prix des tomes. Et dedans, en fait, il y aura 4 illustrations inédites en plus. Donc j'ai l'impression que c'est un peu dans le style des cartes postales, si tu veux les envoyer à tes potes ou. Je si connais pour toi. Pas du tout, c'est un peu gore, c'est un peu. C'est un peu gore, ouais, c'est l'auteur de Fire Punch, donc si t'as vu Fire Punch, tu vois, t'es déjà dans le ton. Et là, entre guillemets, c'est l'histoire d'un mec qui est sur le point de mourir, on lui dit de fusionner avec une tronçonneuse. Batteuse. J'adore. Un tronçon chien, un chien tronçonneuse. Et mon filleul, il va. Du coup, il devient un monstre et. Le mec, il fait ça juste pour ploter une meuf, tu vois. Donc, mon filleul, il va adorer. Il a la langue qui pend tellement qu'il. Il va adorer. Je pense qu'il va adorer. Je vais lui prendre pour Noël, en plus. Il a quel âge ton neveu? 11 ans. Ouais. Ouais, mais il regarde. Après, il aime bien ce genre de. Il aime bien ce genre d'histoire de base, tu vois. Il... Puis tout petit, il regarde des films d'horreur avec son père et tout. Donc, mais non, quel fan. Après, on s'étonne de l'état de Yota. De Ryu, tu vois. De non, mais voilà, quoi. Non, mais c'est bien. Il aime bien le dessin en plus de travailler. Donc, voilà, c'est bien. Bon, bah, c'est parfait tout ça. Ah oui, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Attends, on va revenir peut-être sur un truc un peu plus. Ouais, on applaudit. Voilà. C'est pas mérité. Alors. C'est tout, c'est la jalousie, ça. Oui, je confirme, c'est de la jalousie. c'est n'importe quoi. Juste un peu. En tout cas, merci pour ces news. Bah, du coup, voilà, c'est les idées de cadeaux de Noël. Voilà, on commence déjà. Hein, on est fin octobre. Plus ça va, plus on achète les cadeaux de Noël en avance. Ça va finir par. Voilà. Tu auras fini Noël, tu commenceras à les acheter en janvier. Perso, faut les étaler. Hein, parce que moi, perso, quand je vois ma liste, par exemple, entre le coffret Akira et le coffret. C'était quoi l'autre coffret? Parce que le Akira en plus, le coffret Berserk aussi que j'ai l'intention d'acheter. quand je vois les artbooks, parce qu'il y a l'artbook de Full Metal que je veux prendre, ils ont annoncé l'artbook de Medina Beast qui fait 400 pages, qui est 40 balles. Ça va vite. Hein, non, mais c'est vrai que ça va vite. Moi, après, j'avoue que je privilégie les cadeaux que je donne aux autres. Bah oui. Ouais, bah je le donne aux autres, à mon autre moi-même, tu vois. Ah ouais, j'aimerais bien qu'on offre la collection, la collection de Lovecraft en manga. Ah ouais. Ah ouais. Lovecraft. Lovecraft, c'est vraiment bien.
Mais c'est tellement bien déjà, ne serait-ce que de lire les nouvelles, franchement. Parce que c'est rapide à lire, en fait, hein, les histoires. Hein. Ça dure assez. Je sais pas, j'ai acheté les deux premiers, mais je les ai toujours pas lus. Et franchement, je t'avoue que moi, déjà, les nouvelles, j'adore, tu vois, de base, quoi. Donc, les mangas me tentent énormément. Les mangas me tentent énormément. C'est pour ça, j'attends aussi à Noël, je pense qu'ils vont nous faire des petits coffrets sympatoches. On verra bien. On verra bien. Il n'avait pas déjà fait pour Noël d'ailleurs, les Noël derniers. Si, si. Ils avaient fait les Montagnes Hallucinées, ils les avaient sortis d'un côté tome 1, tome 2, et ensuite ils avaient fait un coffret avec les deux tomes. Voilà. Les Montagnes Hallucinées. Allez, on va commencer par l'apérotop avec une nouvelle musique. Et vu que Mademoiselle s'est amusée à un moment donné, vous allez voir, je vous dis pas. Bon, et ben moi j'ai fait un petit effet à ce moment-là. C'est gentil. Mignon. Vous allez vous amuser. Allez, c'est parti du coup pour l'apéro. Là, c'est la purée. Vas-y. Allez, c'est parti. L'apéro top. Bonsoir et bienvenue dans votre incroyable rendez-vous apéro taquien. Allons ensemble combattre les démons. Je viens finement vous y révéler les dernières nouvelles du classement Oricon japonais des mangas de la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020. Ninja ! Nous y voyons survenir à la 10e place singulièrement destructrice en compagnie de vampires machiavéliques prenant le pouvoir, accompagné du 22e volume de Seraph Hold the Hand, avec 51 598 tomes achetés. S'ensuit d'une 9e placette dans une ribambelle de saveurs au mets savoureux, accompagnée du 11e volume de Isekai Izakaya Nobu, avec 57 911 exemplaires pris. Arborant fièrement une 8e position au plus haut sommet des donjons de la royauté, avec des pouvoirs magiques, aux côtés du 26e volume de Black Clover, avec 74 235 exemplaires acquis. S'agrippant à la 7e place, l'honorable maître Shin dans sa fameuse royauté, prônant son 59e volume de Kingdom, avec 74 429 exemplaires écoulés, mais totalisant au bout de 3 semaines le superbe nombre de 690 155 exemplaires pris. Abordant une 6e position à bord du légendaire Raffio du 97e volume de One Piece, écoulant cette semaine 83 342 exemplaires, mais cumulant sur 3 semaines le nombre monumental de 1 665 931 tomes achetés. Sous le signe d'une 5e placette de la sorcellerie et de fort mystérieux dragon dans les abîmes de Londres, en compagnie du premier volume de Burn the Witch, avec 86 066 tomes débités. Puis s'octroyant vigoureusement la 4e place, entouré par d'innombrables fantômes, ainsi que toute la sorcellerie d'un 13e volume de Jujutsu Kaisen, avec 139 896 tomes écoulés. Maintenant arrivant avec assiduité sur la 3e marche du podium, on y voit les célèbres aventures des courageux orphelins qui continuent en compagnie du 20e volume de The Promised Neverland, débitant 265 198 exemplaires. Se glissant à la 2e position sous les yeux diaboliques d'être tourmenté dans un 22e volume de Demon Slayers en édition limitée avec 739 662 tomes pris. Puis, prenant l'or ardemment du bout de ses doigts, toute la continuité des démons machiavéliques, accompagnée du tout récent 22e volume de Demon Slayers, avec 1 464 417 tomes achetés. C'est ainsi que je m'en vais vers d'autres horizons, que je vous souhaite une radieuse soirée dans le positivisme de votre bonne humeur apéro-taquienne. Sayonara, les globules! Et voilà, avec une nouvelle petite musique qui, celle-ci, ne se fera pas striker par YouTube. C'est dommage parce que je l'aimais bien. Ça paye le dos. Hein. Mais bon, celle-là, elle est bien aussi. Sayonara les globules ! Voilà. Ninja ! Oui, ninja ! Quand j'ai entendu le ninja, j'ai dit, je suis obligé de faire quelque chose. Elle vient de voir le film Taxi, elle dit, tiens, je vais reproduire. Ninja ! Mais je suis sûr, quand j'ai entendu le ninja, j'ai fait, ouais, je suis obligé de faire un truc. J'ai pas le choix. Du coup, je trouvais que ça rendait bien le ninja ! Oui, c'est vrai.
Téléportation. Assez rapide, c'est bon. Ah, voilà. Bon, après, il faut bien dans la bonne humeur. Tout à fait. Dire, c'est... Ah, t'es sous, en fait. Quoi ? Non, c'est moi qui ai éternué. Ah. Eh bien, à tes souhaits. À tes souhaits. À tes souliers. Oui, aussi, oui. Perdu. Alors, je suis perdu. Il est perdu, ça y est. Je suis perdu. Donc, meublon. Mais non, c'est bon. J'ai retrouvé. Maintenant, nous allons faire place à l'apéro Kusatsu. Et cette fois-ci, j'ai dû le lire pour bien le dire. La fatigue. Non, non, mais c'est juste que c'est un mot qui est compliqué, quoi. Apéro Kusatsu, quoi. Apéro Kusatsu. Apéro Kusatsu. Ah, tu vois ? Apéro Kusatsu. Apéro Kusatsu. Apéro Kusatsu. Bon, vous allez arrêter de regarder, c'est pas possible. Pas donc, cette fois-ci, on va du coup parler de Kamen Rider. Donc, je remercie encore HeroShock qui nous font ces chroniques, ils en font plein. Kamen Lot. Et donc, bah, là, du coup, bah, là, vous allez découvrir, en fait... la seule série qui les seules séries qui valent vraiment la peine dans le tokusatsu, hein, faut le dire. C'est le seul truc que je regarde. Enfin, de temps en temps, je regarde même pas tout le temps, mais bon, bref. Je suis pas fier de toi. Hein. Non, je sais. Mais moi non plus, je suis pas fier de moi. Enfin, bref. Et ça vous fait rire. Allez. Oui, bah ça va pas me faire pleurer. Ah mais j'ai commencé la dernière en tout cas, j'avoue, Kamen Rider Blade, et je la trouve pas mal du tout, personnellement. Donc, à voir ce que ça donne. D'ailleurs, je vais avoir un épisode de retard. Allez, c'est parti, on se regarde ça, et on se voit tout de suite après. Enivrez-vous de l'actu otaku à l'apérotac de 19h30 à 20h30. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel Apéro Kusatsu. Je suis Vincent, membre de l'équipe HeroShock, le site numéro 1 en matière de tokusatsu. Laissez-moi vous parler d'une licence qui est chère à mon cœur, Kamen Rider. En 1970, le célèbre mangaka Shotaro Ishinomori contacte les studios de la Toei afin de faire adapter un de ses mangas, Skullman. Le design du héros étant trop sombre et trop effrayant, la Toei lui demanda de trouver un autre concept. Après quelques croquis, un personnage attira l'attention de son fils. L'auteur s'en servit donc afin de créer un nouveau héros. C'est ainsi que le 3 avril 1971 naissait Kamen Rider, ce qui marqua le point de départ d'une franchise qui nous fait encore rêver aujourd'hui. Le concept de chaque série est plus ou moins le même. Un jeune héros combattant une organisation maléfique peuplée de divers monstres et créatures, et ce, afin de sauver le monde de leurs plans sinistres. Il pourra se transformer en Kamen Rider, un héros vêtu d'une tenue de combat, basé sur des insectes dans un premier temps, puis sur d'autres animaux et concepts variés. Il devra pour cela se servir d'une ceinture, communément appelée Driver, et d'une pose propre à chacun de nos héros. Enshin. Ce mot signifiant transformation est commun à la plupart des Riders. Et comme leur nom le laisse à supposer, ce sont tous des motards. Même si certains dérogent à cette règle depuis quelques années. Néanmoins, une règle reste plus ou moins immuable, l'attaque spéciale. La plus connue d'entre elles étant le Rider Kick, un coup de pied sauté dévastateur qui sera reprise par la plus grande majorité des Kamen Riders. L'œuvre s'inscrit dans trois périodes, se calquant sur les ères impériales pendant lesquelles les séries ont été diffusées. La première étant l'ère Showa, incluant les séries de 1971 à 1988, et regroupant donc les Showa Riders. Chaque série de cette ère suivait un schéma récurrent. Une organisation maléfique veut dominer le monde. Pour cela, elle enlèvera des gens, généralement notre héros, pour leur faire subir des modifications génétiques. Devenant alors un Kaizoningen, littéralement humain modifié, notre héros se servira de ses pouvoirs afin de combattre l'organisation maléfique à l'origine de sa transformation. Les Showa Riders ont pour la plupart un mentor humain, qui les aidera autant que possible à combattre le mal. Certains auront même un partenaire de combat, ce qui donna naissance aux riders secondaires durant l'ère suivante. Justement, parlons-en. L'ère Issei, incluant les séries des années 2000 à 2019, marqua le grand retour de la franchise après une pause due à un succès mitigé. Kamen Rider fit donc peau neuve et connut des changements qui devinrent les nouveaux standards de la franchise. La première étant les Rider Form, composés d'évolutions de capacités
ainsi que de gains de puissance jusqu'à une forme finale, marquant l'apogée de nos héros. La seconde, quant à elle, concerne le nombre de Ace Riders, étant parfois plus d'une dizaine par série. Les scénarios étant plus travaillés et le merchandising poussé à l'extrême, la licence put enfin rencontrer le succès qu'elle méritait. Le nombre de partenariats s'étoffa, ainsi que les sponsors. Une telle réussite permit à la série de ne plus connaître d'interruption et de devenir la licence phare de la tournée. Quoi de plus normal donc de continuer pour cette nouvelle ère, Reiwa. À l'heure actuelle, la licence compte 32 séries et 65 films live, ainsi qu'une série et un film animé. Elle compta même 2 adaptations américaines. La franchise étant florissante, on peut trouver également des mangas, romans, pièces de théâtre et pléthore d'autres supports. Le manga original fut même publié en France chez Issan Manga en 2 tomes. Il est encore disponible et si vous ne l'avez pas, je vous conseille de vous le procurer. Les aventures des Kamen Rider sont bien parties pour durer encore longtemps. Kamen Rider Saiba, la 32e série actuellement en cours de diffusion, marquera l'année prochaine en 2021 le 50e anniversaire de la franchise. Merci à toute l'équipe de Radio Anime de nous avoir permis de vous présenter les bases du genre Kamen Rider. Vous pouvez retrouver toutes les dernières news en matière de tokusatsu sur le site heroshock.com ainsi que dans le magazine Monkey Steel. On se retrouve très vite pour un nouvel apérotac. Au revoir et à bientôt. Voilà, donc sur la licence Kamen Rider. Très intéressant. Le lien est également sur leur site et est également dans la description. Donc je vous invite à aller voir, du coup, hein, tout simplement. À moins que je l'ai mis dans la bande-annonce, je ne sais plus. Enfin bref, ça y sera. Du coup, et ben voilà, donc vous avez trouvé ça intéressant ? Oui. Tout à fait. Après, je jusqu'à comprends que ce soit pas forcément ce que un truc qui plaise à tout le monde. Moi, j'ai commencé à regarder Kamen Rider Black il y a un petit moment, mais j'ai pas continué. Mais j'avais été impressionné par les 2 premiers épisodes. Je suis pas allé plus loin par manque de temps, puis après j'ai plus pensé à regarder la suite. Mais c'est vrai que les Kamen Rider Black, au point de vue, ça, moi, c'était pas mal niveau effets spéciaux de l'époque, hein, parce que ça date de 92, je crois, un truc comme ça. Oui, donc c'est un peu juste encore au niveau des effets. Oui, mais c'était bien foutu. C'était pas de la, tu vois, c'était en plus et en plus c'était adulte dans l'esprit. C'était pas fait pour les enfants. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, le Sentai est plus, c'est comme un Kodomo au final. Le Sentai, c'est fait plus pour les enfants. Kamen Rider, c'est déjà fait plus pour les adolescents et les adolescents, tu vois. C'est plus mature dans les scénarios. Je te conseille, moi personnellement au niveau scénario, j'avais adoré. C'était Fez qui était assez noir. J'aimais pas trop les armures, mais l'histoire était vraiment excellente. Mais vraiment, il y avait vraiment un héros torturé. Enfin bref, c'était énorme. Franchement, il y avait des trucs qui étaient vraiment bons. Et c'était Kiba aussi, donc avec la chauve-souris qui mordait la main, clac, et puis qui se mettait à l'envers sur la ceinture. Et il avait une bécane, un truc, une bonne vieille routière. Enfin bref, voilà. Et ce qui s'est déroulé sur 2 timelines, du coup. Le père du héros et donc la timeline du héros adulte. Et cette série-là aussi était vraiment excellente. Et il y en a plein qui sont vraiment bien au niveau des scénarios et tout. Mais je sais que ces deux-là m'ont vraiment marqué, personnellement. Je crois avoir vu un reportage à l'époque où ils expliquaient que la série qui était un peu plus adulte dans l'esprit était plutôt Shotaro Ishinomori, qui était au niveau de l'écriture. Et ça se ressentait quand c'était lui, en fait, qui travaillait dessus et pas... on va dire le pur produit de la Toei, en fait, derrière. Oui, voilà, c'est ça. Deno, qui est peut-être la plus longue, hein, et puis celle qui a fait parler le plus longtemps d'elle, ça se passe dans un train, le héros, en fait, se fait posséder par des esprits, hein, des djinns. Donc, il y a les djinns du feu, du vent, de l'eau, de la terre. Forcément, hein, on retrouve les points cardinaux... le dragon, la tortue, le phénix et le dragon. Voilà. Et chacun avait leur personnalité. Et c'est l'acteur qui joue le rôle de Kenshin, qui faisait le rôle et qui jouait très bien parce que dès qu'il se faisait posséder par quelqu'un d'autre, il prenait une autre attitude, une autre façon de jouer et tout. Et c'était d'accord, vraiment bien foutu. Deno aussi est très agréable à regarder. Et les armures, j'ai trouvé vraiment sympa aussi.
Donc voilà, ça fait déjà 2-3 séries que je vous conseille à regarder, déjà dans les Kamen Rider. Mm-hmm. Je pense qu'il y aura Team d'Heroshock, une partie qui sera là et qui en conseillera d'autres. Dans tous les cas, allez sur le site d'Heroshock. Voilà, si vous cherchez l'inspiration à ce niveau-là. Pas du Kamen Rider qui va sortir chez Black Box, c'est quoi déjà en manga? Un partenariat avec. Oui, non, c'est sur. Je crois que c'est spécialisé dans les kaiju. Donc, tout ce qui est Godzilla, etc. Ouais, et c'est avec Monkey Stevie qui font ça. Mais pareil, hein, allez voir. Hein, c'est une nouvelle collection. Je sais plus le nom, j'avoue. C'est du propre encore. Kaiju. Non, le nom de l'édition. Ouais, je préfère Kaiju, moi. T'as des Kaiju? J'étais sûr. C'est ton goût, hein. C'est ton goût, c'est les cajots, j'y peux rien. Mais bon. Non, mais j'étais sûr que t'allais me le sortir. J'étais tellement sûr que t'allais me le sortir. C'était du Aya Nakamura, non? C'est quoi? Non, pas vraiment. Non. tu regarderas, je suis sur Crunchyroll. Seigneur. K-E-I. Ah oui, 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 ça y est, excuse-moi. Seigneur, attends de percuter. Venez nous en aide. Non, on ne peut plus. On ne peut plus rien pour vous. Hey, moi, je recommande aussi. Bon, allez, on se remate le Tanoshi Kokoku. Personne n'a trouvé encore pour l'instant. Oh. Donc, du moins chez les chroniqueurs. Est-ce qu'ils vont trouver? Il va falloir qu'on se remette en selle. Hein. Il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Il y a un indice, il faut bien écouter. Allez, c'est parti. Une crêpe! Bien sûr, il faut comprendre le japonais. Il parle de cardo. Cardo, des cartes. Indice. Ah, je sais. Pardon, je refais. Putain, mais je suis nul. Indice. J'ai compris. En fait, c'est un trailer en fait pour un nouveau film qui va sortir, une adaptation live de Boku no Pico. Voilà. Par émission, fallait le dire. Donc. Non, faut pas le dire par émission. Il y a pas de quota pour ça, s'il te plaît. Il n'y aura jamais de quota pour ça. Je ne suis pas d'accord. C'est pas possible ça. C'est bon, c'est. C'est de la pub pour du ciment, mais c'est pas très résistant, hein, franchement. C'est peut-être pour du ciment. Est-ce que c'est pour de la bouffe? Ah non. Non, ok. Non. Enfin sorti de la bouffe, d'accord. Attends, peut-être que la prochaine fois, ce sera à nouveau de la bouffe, hein, t'en sais rien. Hein. Mm. Mais après, moi, je prends pas en fonction de la bouffe, je prends juste en fonction où ça me fait rire, quoi. Ah, c'est pour ça, ok, et je vois pas le rapport. Blackstar, tu dirais quoi? Faut aller dans quelle direction, non, en fait? J'arrive pas. Bah, tu l'as dit, il y a un indice, du coup, tu l'as dit. Oui, Caldo, donc c'est pour des cartes. Est-ce que c'est pour des Ramicard? Est-ce que c'est. Quel est le rapport avec l'image? Des cartes de crédit, peut-être, sinon. Ouais, peut-être. Je sais pas. La sécurité avant tout. Ça me paraît un peu bizarre pour des cartes de crédit faire une pub comme ça. Des cartes routières peut-être. Oui, peut-être, effectivement. J'ai pensé aussi, effectivement. Ah, peut-être. Mais je vois pas trop l'intérêt par rapport à l'image. C'est parce qu'elle elle trace une route en travers le béton, tu vois. Peut-être, ouais. Je sais pas. Ouais, c'est pas facile de trouver une blague là-dessus. Hein. Alors, non, c'est pas facile. C'est surtout drôle. Je sais pas, ou la carte de la destruction du monde, parce qu'elle détruit, tu vois, les tuiles. Est-ce que c'est pas pour les prochains Jeux Olympiques? Ah, peut-être. Bah oui, pour avoir la carte collector, tu sais, pour rentrer dans toutes les manifestations des Jeux Olympiques en 2021. Si ça a lieu, en tout cas. Écoute, ma réponse après l'apéro talk. Ou est-ce que c'est par rapport à la robe qu'elle porte? Peut-être. Je ne leur dirai pas plus. Du coup, on va passer à l'apéro talk, hein, et puis on aura la réponse après, de toute façon. Ah, mais je réfléchis trop là. Ouais, je pense. Trop mal à la tête. Non, ça, je pense que c'est pas possible. allez, c'est parti, transition. Et du coup, je te laisse la parole, Yeta.
Ah bon, c'était moi qui. Bah après, c'était le sujet, c'est le sujet de Black Star. Oui, donc, si bah Black oui, Star veut Black le Star, lancer, à la lui qui va beaucoup plus en parler parce que c'est lui qui l'a vu. Si, mais si, je peux, si tu veux, je peux amorcer le sujet. Je peux l'amorcer effectivement tout amorce, ensemble. Amorce. Donc amorçons. Il y a des gens bizarres qu'on voit. Tout là. À fait, on voit des gens tout à fait bizarres apparaître à l'écran. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ce que je suis en train de voir? Est-ce que c'est un dessin animé français de la belle époque AB Productions? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et c'est Ikkyu, donc c'est un manga, ah, un manga mais aussi. Ah, ouais, celui-là, il est formidable, celui-là. IQ. Ah mon dieu. C'est pas Dragon Ball Super, celui-là, épisode 4. Je vais devenir. Oh, et là, c'est juste quand c'est je veux, il transforme là, tu vois. Il y a juste en fait, c'est le même studio. C'est le même studio qui s'est occupé du même moment. Donc. C'est en ce moment sur les réseaux sociaux, en fait, c'est en train de tourner suite à la diffusion de l'épisode 4, je crois, hein, sur la nouvelle saison de IQ. Saison 4. Saison 4, pas l'épisode. Saison 4, la deuxième saison partie. 4, saison 4, mais épisode combien ? 2. Bah, 1 et 2 de la deuxième partie, en fait. D'accord, bon. Bref, donc c'est épisode 14 et 15, alors. Ouais, ça va. On a compris. Deuxième partie. Voilà. Donc, en fait, il y a un problème, comme vous pouvez le constater, d'animation. Qui est quand même comment dire je sais pas si c'est le petit Benoît 6 ans qui était derrière la production en Chine pour production IG parce que je crois que c'est production IG qui est derrière. Je trouve qu'il y en a qui passent presque les limites, ça va vite quoi. Et comment tu crois qu'il s'appellerait Benoît là-bas? C'est oui, oui, bah, parce que non mais c'est normal, c'est pour passer en scred, tu sais, faut pas dire que c'est chinois. Donc ou il s'appelle Jean-Michel Benoît. Quoi. C'est Jean-Michel, effectivement. Ouais, voilà. C'est Jean-Michel à côté de lui. Hein, Jean-Michel, je ne sais pas dessiner, tu vois. Là, ce plan, il est formidable. Celui-là, c'est le plus beau. Mais je trouve que ce qui est le mieux dessiné dans ce qu'on a vu juste avant, c'est la basket. À partir de... Moi, j'adore. La basket est bien dessinée. Celui où il glisse, c'est magnifique. Ouais. Ah ouais. Bon, celui-là, je ne vois pas trop le problème encore. Tu vois, celui-là. Je ne vois pas pourquoi les il a été yeux, choisi. Je pense. Bah ouais, mais y a, c'est plutôt. Enfin, on le voit assez souvent. C'est des dessins plutôt classiques pour dire. Enfin. Qui se veut pas réaliste quoi sur le moment en fait. Par contre les autres dessins, je trouve ça problématique effectivement. Mais alors du coup, lui, qu'est-ce qu'il a comme problème lui? C'est au niveau des bras hein, je a, pense. Non, il a un œil qui dit merde à l'autre. Ah oui, il a surtout les sourcils qui partent dans tous les sens. Et donc du coup, c'est Black Star qui a été au centre de ce sujet. Voilà, oui. Parlons-en. Il a pris des claques. Alors. Moi, j'ai pas pris des claques, moi je suis médiateur. C'est lui qui les donne les claques. Moi, je suis médiateur. Moi, j'essaie de concilier les gens qui sont pour, qui sont contre, oh oui. Voir pourquoi et pourquoi pas, tu vois. Parce que moi, c'est vrai que ça, quand j'ai regardé les épisodes, je sentais un truc qui clochait par rapport à la qualité de la première partie, qui était entre janvier et avril. Et donc, la deuxième partie qui devait arriver normalement cet été a été reportée à octobre. Et quand tu arrives là-dessus, tu fais « ouais, il y a une différence de qualité ». Et après, moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux où, en fait, il y a des gens qui gueulaient parce qu'ils avaient pris des screenshots et ils avaient balancé ça, tu vois. Moi, j'avais vu quelques plans qui étaient un peu douteux, tu vois, mais je ne suis pas du genre à mettre un arrêt sur image juste pour voir les défauts de ouais. L'application, tu vois. Et rappelons que peut-être que la plupart ont fait des screds. On fait des caps à partir de peut-être de fichiers fansubers, c'est même pas des officiels. T'es ouais, où ça dépend desquels. Par exemple, l'entraîneur qui était passé par là, tu voyais la trate de Wakanim, donc ouais. Dit que voilà, c'est. Mais disons pourquoi que ça a fait polémique, surtout que la première partie de la saison 4 était très bonne. IQ, ça a toujours été un anime qui a voulu privilégier la qualité en faisant des saisons qui étaient espacées parce qu'ils n'ont pas fait à la One Piece où ils font un long truc de 500 épisodes. Ils font un peu comme My Hero, ils font une saison de 12 ou 24, ils stoppent, ensuite ils reprennent quelques années plus tard et ainsi de suite, tu vois. Tu te dis que il y a une espèce de comment ça s'appelle on privilégie la qualité et voilà. Et là, c'est le contraire. Après, là, c'est, a priori, c'est la débâcle sur ces épisodes, en tout cas. Donc, à voir si ça se redresse après, plus tard. Mais, parce que moi, ce que je disais à certaines personnes sur les groupes sur lesquels j'étais, c'est OK, faut comprendre aussi la logique économique derrière. C'est-à-dire que l'animé, il a déjà été retardé 3 mois. Tu ne peux pas le retarder indéfiniment, sachant que
le studio vend à une chaîne, enfin la chaîne achète la série pour un certain laps de temps avec une case adaptée au niveau des horaires. Les trois quarts des animes au Japon, il faut savoir que les trois quarts des animes au Japon sont diffusés sur des chaînes privées. Donc si t'as pas d'animes nouveaux ou de qui sont là, ben les gens ils se désabonnent à ta chaîne, tu vois, et ça fait perdre les rentrées d'argent sur ta chaîne. De l'autre côté, ben t'as toute la partie merchandising qui est bloquée parce que la série est pas lancée, tu vois, parce que on attend la saison pour balancer les figurines qui vont bien, les goodies en tout genre qui vont bien, et si eux ils sont pas en retard sur la prod, entre guillemets, faut prévoir des gestions de stock qui sont immenses là-dessus. Il y a eu pas mal d'animes qui ont déjà été retardés 2-3 mois et la plupart ont repris, tu vois. Donc au bout d'un moment, l'économie du Japon vit beaucoup sur la pop culture. Donc les animés, c'est un gros, c'est une grande manne économique par rapport au Japon. Et il faut te dire que, comment dire, les animés, on te paye à la planche. Donc que tu prennes 2 jours ou 4 jours pour faire ta planche, je veux dire, c'est ton problème à toi, tu vois, en tant qu'animateur. Ouais. Et c'est pas c'est CDI et on te laisse X temps pour faire ton anime. Et surtout, ce que je pense aussi, c'est qu'on a l'impression de dire, d'accord, ok, il y a eu le Covid, ils ont repoussé, donc ils auraient pu faire mieux. Non, la production a été faite à un moment donné, elle a été mise en stand-by après la création. C'est pas parce qu'ils ont plus de temps qu'ils vont pouvoir peaufiner. Rien à voir. C'est que s'il y a plus de temps, il y a plus d'argent, plus de gens à payer pour ce laps de temps, du coup. Aussi, ouais. Donc non, c'est mort. C'est fait avant et c'est retenu jusqu'à une diffusion, on va dire. Donc c'est pas pour ça qu'ils vont refaire du coup les épisodes. Par contre, ça peut être refait pour la version DVD, Blu-ray. Ce sera certainement refait pour la version DVD parce que vu comment ça gueule, de toute façon, tu regardes la plupart du temps, il y a une version aujourd'hui. Hein. De toute façon, on remarque ça de plus tout, mais régulièrement, tu as une version pour la diffusion télé et une version pour la Blu-ray. Regarde Saint Seiya Soul of God, ou même Dragon Ball Super. Même Dragon Ball Super, tu vois. Voilà, oui, tout à fait. Sachant qu'en France, quand même, on a eu le loisir d'avoir eu la version série télé en Blu-ray. Et puis après, oh ben non, on sort la version Super Collector. Ouais. Version retech. Ça, c'est pas normal, par contre, tu vois. Oui, ça, c'est pas absolument pas normal. C'est pour ça que je n'achète pas, d'ailleurs, même si elle est pourrie, la série avec les filles de Saint Seiya. Enfin, comment elle s'appelle, j'ai oublié. Saint Seiya Show. Voilà, parce que j'ai peur que ce soit la série télé. Il n'y a pas de retech, il n'y a rien. Et qu'avec toutes les merdouilles qu'il y a dedans. Non, mais de toute façon, la série, elle est nulle. Donc, le manga chez Kurokawa, c'est pas grave. Voilà. Oui, acheter voilà. Acheter le manga, dans tous les cas, acheter le manga, c'est toujours mieux. Ça n'a rien à voir en plus, vous allez voir, c'est totalement différent. et puis de l'autre côté, je voyais des personnes qui disaient, ouais, mais c'est normal, il y a la pandémie, il y a tout ça. Mais après, le truc, c'est qu'il faut le dire quand même, parce que si tu laisses passer le truc sous prétexte que c'est la pandémie. Après, n'importe quel prétexte sera bon pour. Voilà, c'est ça. Si t'es un pigeon et que t'achètes à tout prix parce que c'est ta série, et si tu gueules pas, ben c'est de se dire que là c'est un contexte qui est particulier. Ok, il y a une moins bonne qualité, mais si tu vends autant, les gens ils vont se dire, par exemple pour la saison 5, bon ben on peut faire de la merde. De toute façon, les gens ils achètent, vrai. Tu vois. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue il y a très très longtemps. À la sortie du DVD de X-Men 2, hein. Donc vous voyez, ça date, ça remonte. En fait, j'avais mis le DVD sur ma télé, pas de soucis et tout, et il y a un moment donné, en fait, on voit une scène où il y a des enfants qui sont dans une fosse, on voit donc je sais plus quel personnage qui arrive près de la fosse, et on voit un écran noir normalement à l'arrière, et la scène suivante, hop, Diablo s'est téléporté et il arrive. Il s'avère que sur la scène d'avant, en fait, ils ont juste mis Diablo dans l'ombre. C'est-à-dire que si tu mets un tout petit peu trop, si t'as ta télé qui est un petit peu trop claire à ce moment-là, tu vois Diablo sur la première scène, sur la scène d'avant. Et c'est quand même inadmissible. Et on me disait oui, mais non. Enfin, si, c'est inadmissible sur un film tel que X-Men, qui est quand même une grosse production, avoir mis ne serait-ce qu'un masque. C'est un truc qui moi me prend 2 minutes sur After Effects. J'ai un masque, ne serait-ce que pour le cacher, tu vois. Et pas After Effects à l'époque. Si, il y avait After Effects à l'époque. mais tu vois ce que je veux dire, c'est inacceptable. Et là, c'est pareil. Je veux dire,
faire un travail, il faut le faire bien, point. Après, je comprends aussi le monde de l'animation, c'est aussi un monde un peu compliqué parce que on les rush, quoi. On les rush constamment et ça amène souvent ce genre de problème. Le tout, moi, ce qui m'inquiète le plus, enfin, c'est pas, on s'en fout un petit peu, entre guillemets, pour nous, mais nous, Europe, monde, on gueule. Mais le japonais ou les producteurs, ce qui leur intéresse, c'est les japonais pour la vendre justement du produit derrière. C'est pas forcément ce que les autres qui regardent dans le monde entier. Ce qui les intéresse, c'est là. C'est là où je me demande qu'est-ce que les japonais vont penser de ça. Et est-ce que derrière, ça va pas faire un peu du bad buzz pour eux, pour la vente de produits marketing, qui fait que ça permet d'avoir d'autres épisodes par la suite, d'avoir une production. C'est ça à ça aussi. C'est essentiellement pour ça qu'on crée une série aussi. C'est pour vendre derrière. C'est pas seulement pour faire plaisir à son public, hein, faut pas croire. Mais quelle est la réaction des Japonais actuellement, des fans japonais, à ce sujet? Est-ce que ça les affecte beaucoup? Est-ce que ça les affecte dans le fait de vouloir regarder ensuite la suite de la série du coup? Ou est-ce que dans la vente des produits dérivés, est-ce qu'ils vont vouloir y aller parce qu'ils vont se sentir trahis? Parce que les Japonais, des fois, ils sont très... Ils te boycottent de la série parce que l'anime est merdique? Peut-être. Ouais, il y en a qui seraient capables, hein, t'en penses quoi? Je me pose simplement la question. Moi, je dirais que ça serait logique en termes de vente DVD. Après, pour les goodies autres qui sont... Après, souvent, en plus, tu peux voir le produit fini avant de l'acheter, donc... Ouais, c'est pas pareil. L'anime, je pense que c'est pas pareil, quoi. Mais après, ça peut être un geste fort pour justement dire, arrêtez de faire de la merde parce que sinon, nous, on n'achète pas. Mais prenons un petit regard extérieur. Emma, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ben, moi, je trouve que s'ils soignent pas correctement au niveau des effets et tout, ben, ils peuvent perdre de nombreux téléspectateurs, ça c'est clair. C'est une évidence. C'est vrai. Ah non, mais voilà, c'est ça. Ça par contre, il y a des gens qui peuvent se... C'est pas bon, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent... Vas-y. Si c'est pas correct au niveau de la qualité, les gens, ça ne les intéresse plus autant, après. Parce que les gens, ils sont beaucoup sur la qualité, c'est vrai, de ce qu'ils voient. Bah, plus ça va, plus tu as des grosses télés, plus tu vois les défauts, hein. Donc, de toute façon, la problématique, elle est là aussi. Donc, De plus en plus. À quand les télés de 4 mètres? Bah, tu sais qu'on vient d'envoyer dans l'espace quand même. Enfin, ils vont envoyer dans l'espace, les Japonais d'ailleurs, avec l'Europe. Un grand écran pour pouvoir faire du cinéma dehors. Non. Ils vont envoyer un satellite autour de. Je ne sais plus quel satellite de Mars, lequel des deux, pour le filmer en 4K et 8K pour la NHK. C'est eux qui fournissent la caméra pour qui sera mise dans le satellite, pour pouvoir faire un film. Et qui sera ensuite renvoyé sur Terre. C'est-à-dire qu'après, le satellite, il revient vers la Terre pour repartir après. Ils vont lâcher de l'espace autour de la Terre. La carte SD. Avec des échantillons qu'ils ont repris sur le satellite, plus les caméras. T'as dit quoi? La carte SD. La carte SD, oui. Non, mais peut-être que ça sera aussi une carte SD dedans, en fait. Hein. Attention. Hop. Ah, on a jeté le disque dur. C'était un SSD. Allez, j'attrape. Ça y est, je l'ai. Ouais. C'était un SSD. Ah, bah non, on avait trop mis dans la caméra. Alors, du coup, c'est un disque dur normal. Ouais, mais du coup, quand il va atterrir, il va être mort. Tu penses sérieusement qu'il va passer l'atmosphère comme ça? Oui, mais atterrir, par contre. C'est intéressant aussi, cette histoire de 4K et 8K, c'est qu'il y aura deux caméras embarquées, quoi. Bah oui, après, cette course à la HD, enfin, à cette résolution, je suis pas forcément... Je ne suis pas forcément pour au final. Déjà, la HD, je trouvais qu'il y avait de belles images. Alors, c'est vrai que la 4K, c'est plus joli, je ne dis pas le contraire. Mais il faut vraiment avoir un écran de taille pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur. La 8K, j'ose même pas imaginer. Et puis, à chaque fois, ils nous disent que la 4K, c'est le truc maximal que l'œil peut voir. À l'époque, c'était ça qu'ils nous disaient. Hein. Maintenant, c'est la 8K. Puis, on parle déjà de la 12K. Bon, voilà. À un moment donné, faut arrêter cette course à la. T'as pas des bio œil? T'as pas après, des bio. Moi, j'ai comme toi, hein, j'ai des lunettes. Donc, du coup. Mais après, c'est surtout pour filmer dans une résolution qui va permettre d'avoir des angles et des images vraiment. Au pixel près, mais réellement, puis après, regresser, mais
tu verras mieux les choses après, même si tu vois pas en 8K, c'est, du coup c'est filmé. Mais pour les trucs de, bah, comme tu disais, pour le truc de Mars, là par contre je trouve que ça a tout son intérêt, parce que c'est un intérêt aussi scientifique. Bien sûr. Par contre, pour tout ce qui est film d'animation, enfin animation, film, etc., ouais, je sais pas, c'est pas forcément. Donc pour moi, il faudrait développer d'autres technologies. Ouais. Par exemple, sur les jeux vidéo, plus lié à l'intelligence artificielle ou le fait de mettre de la 4D, de l'audio, de l'odorat aussi, ça pourrait être sympa, tu vois, pour donner une autre dimension au jeu. Oui, puis jouer la carte du... Plus travailler le graphisme que la définition, tout simplement. Avoir des graphismes qui... à mettre la puissance des consoles pour qu'on ait des véritables cercles au niveau des corps et des épaules, des machins, des trucs comme ça, plutôt que ben, du coup mettre cette puissance-là à la définition. C'est au nombre de pixels, c'est un peu dommage au final. Enfin, c'est ce genre de jeu. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est, notamment dans le jeu vidéo, c'est encore plus son sens pour moi dans le jeu vidéo, parce que la puissance, elle est partagée sur plein de choses. Et alors que dans un film, bon, bah, c'est juste ton film. Puis voilà, c'est. Mais. D'ailleurs, juste, si je peux me permettre, d'ailleurs, on saute d'un sujet à un autre, mais c'est intéressant aussi d'en parler quand on parle justement de vitesse. C'est que quand tu vois, en fait, les cartes SSD pour les consoles, moi, j'imaginais dans ma tête comme un disque dur SSD, tu vois, en fait, dans les consoles. Mais pas du tout. C'est comme des cartes comme des transistors, on va dire, sur la carte mère, quoi. C'est un truc qui est embriqué dedans. Enfin, c'est pas un truc que tu peux enlever, remettre comme tu veux. Ouais. C'est impressionnant de voir la petitesse en SD, donc en SSD, la vitesse de transfert qu'il y a aussi derrière sur ce genre de truc. C'est vraiment rikiki. Ah bah c'est pas un disque dur. Hein. C'est un. Je sais plus comment on dit, c'est comme une puce, en gros. C'est des puces mémoire, tout à fait. C'est impressionnant. Et c'est pour ça que ça coûte cher. C'est la nouvelle génération de disques durs, au final. Ouais, et c'est pour ça que ça coûte très cher. Parce que c'est pas quelque chose de commun, on va dire. Non, tout à fait. Disons, plus tu essayes de réduire en termes de taille, plus en général les coûts ils sont élevés, tu vois. Tout à fait. T'as dit quoi? Les coûts. J'ai entendu un autre mot, moi. J'ai dit, plus tu essayes de réduire la taille, plus les coûts sont élevés. Ouais, mais l'inverse aurait été rigolo. Mais c'est vrai que, et du coup, bon, on revient un petit peu au sujet initial, c'est-à-dire que là, le problème, c'est qu'on a clairement des passages d'animation qui sont bas de gamme, on peut dire. Hein. Voilà, c'est enfin, celle-là, quoi, notamment celle-là. Pour la rater, celle-là, il faut le faire. Qu'on ait mal dessiné une image parce que les mecs, ils sont. On ne sait pas après les conditions dans lesquelles ils ont travaillé, etc. Donc, oui, tout à fait. Mais tu vois, c'est un petit peu comme quand tu as un jeu vidéo qui est retardé pour que le jeu soit de qualité. Tu vois ? Des fois, je préférerais qu'on retarde une série pour dire bon, écoutez, voilà, on peut pas faire comme il faut. Je préfère que ce soit retardé pour avoir quelque chose comme il faut, plutôt qu'on fasse quelque chose vite pour cette course à la consommation. Tu vois, dans l'animé, l'animation, c'est pas possible. Oui, mais moi, ce que je leur disais, c'est que l'animation, c'est tellement un milieu qui est. Budget serré, qui est de temps, il ne va pas dépasser. Hein. Et tu as aussi, comme je te disais, tu as pas mal d'entreprises qui découlent en fait, de ces diffusions. Là, peut-être que tu as eu des studios qui ont eu on leur a laissé une marge de manœuvre de 3 mois pour se réorganiser et sortir leur truc, tu vois. Et déjà, je veux dire, au Japon, t'es pas dans une logique de tu retardes un truc, tu vois. Quand tu as des animés qui sont d'habitude retardés au Japon, c'est des trucs qui sont exceptionnels et c'est des projets qui sont morts. Même quand il y a une reprise, il n'y a plus personne qui en parle, tu vois. Moi j'ai vu des séries qui ont été stoppées en cours de route parce que la qualité était merdique, et quand il y a une reprise c'est passé sous silence limite, tu vois. C'était genre on l'a remis à neuf, ok, on a fait amende honorable, mais t'as plus de com dessus, il n'y a plus personne qui en parle, t'as raté le coche en fait par rapport à ta sortie. C'est une autre manière de penser. Et moi je pense que justement la pandémie, même si on a donné peut-être on a donné des délais de 3 mois au niveau des studios parce que on a été compréhensif et tout, mais si tu veux avoir plus de délais, je pense que tu vas avoir des pénalités sur le long terme au niveau de ta diffusion.
Et comment ça s'appelle ? Moi, je pense que dans les 2-3 années à venir, on va avoir plusieurs studios qui ont fermé à cause de la pandémie, tu vois. Cause de l'impact que tu as eu. Ouais. Parce qu'ils ont toujours été en surproduction au Japon en termes d'animation. C'est une forte manne, mais c'est un équilibre qui est dangereux, tu vois. C'est comme la bourse. Hein. C'est, ouais, ils sont tout le temps tendus, en fait. À quel moment, tu vois. Ils sont toujours en flux tendu, en fait. C'est ça, en fait, le problème. C'est ça, en fait. Il faudrait leur laisser plus de temps, moins de production. Voilà, voilà, exactement, pour qu'ils travaillent plus facilement. Et ça, c'est une manière de penser qui est très loin du capitalisme. Donc, du coup, je ne pense pas. Je pense que IQ ne sera pas le dernier anime à subir ce genre de soucis. Et je pense que c'est légitime, hein, de gueuler après. C'est justement pour qu'ils améliorent. Donc, c'est, comme je dis, ce n'est pas les premiers. Et c'est pas les derniers. Je me rappelle plus. C'est dommage que je me rappelle plus le nom de cet anime qui est en fait limite une référence dans l'erreur de, enfin, des problèmes d'animation. C'est-à-dire qu'il y avait même un mot d'excuse sur le générique. alors que le générique, c'est normalement c'est la pièce maîtresse. C'est un truc qui se passait dans l'espace. Je crois que le héros était rouquin. Je me rappelle plus. J'avais regardé l'anime. Et tu voyais deux personnages SD comme ça baisser. Nous sommes désolés, nous n'avons pas pu finir le générique. Merde, c'est con. Merde. Comme con. Et il y avait des bugs de partout. Je ne sais plus. Si jamais vous avez le nom dans les commentaires, dites-le. C'était il y a longtemps. Oui, c'était du 4 tiers. Je crois que c'était sorti en VHS, il me semble aussi. Bah bref, je retrouverai le nom. Captain Taylor, non. Les roues de l'espace. Non, pas Captain Taylor. Ah, ça aurait pu. Hein. Les roues de l'espace. Les roues de l'espace. Non, Captain Taylor, c'était bien. C'était très très bien. Série. Oui, mais ça restait limité en animation, c'est ça que je voulais dire surtout. Ouais, mais bon, en même temps, c'est une série qui est qui avait pas besoin d'une animation folle non plus. Bref, bon bah du coup, je crois qu'on a fait un peu le tour. Hein. Le tout. Je pense que bon, voilà. De toute façon, le problème c'est que on aura toujours des trucs comme ça. La solution ce serait que le système se remette en question. Alors, on n'est pas dans la merde. <Tout à fait. rire> Voilà. Parce que là, ils sont dans la surproduction. Voilà. Oui, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça le véritable problème au final. Bon, on va regarder la solution du Tanoshi Kokoku. Ah, alors. Il y avait une personne qui avait bon. Alors, du coup, vous allez voir. Qui a raison ? Voilà, donc c'était bien une carte de crédit. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Donc bravo à Emma. Voilà. Rapport avec la carte de crédit. Yes, j'aurais bien comprendre. Mais c'est exactement pour ça que je l'ai mise. Tu vois, c'est pourquoi ? Incompréhensible. Alors, là, j'ai compris aussi le moquard, mais après, je ne comprenais pas. Je me rends compte que je m'étais trompé. Ah ben, parce que ça te fait franchir toutes les barrières, justement. Ouais, non, c'est compliqué, quoi. C'est ça. Tout à fait. Non, du quoi. Tu fais, mais quoi ? Sérieux ? C'est ça, en fait. Sérieux ? Non, mais quoi ? J'ai resté regarder le truc. Et je t'avoue que j'ai hésité entre celle-là et une autre. C'est pour casser son plafond. C'est pour ça, son plafond. Ouais, c'est peut-être pour ça. Ah, oui, ils ont le plafond de la carte. Ah, c'est pour ça qu'elle casse des tuiles avec sa tête. Mais oui, c'est pour ça. Oh la vache. Et tu as peut-être trouvé le raisonnement le plus absurde, mais le plus logique vis-à-vis de cette. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais demander un crédit, chérie. J'en ai perdu mon casque. Je verrai mieux. Je la verrai, tu sais. Elle dit bon, elle a cité des là. Elle monte, elle va chez son voisin.
Et elle fait pareil parce qu'il faut casser son plafond. Là, elle peut pas le faire. Elle peut pas. Du coup, elle casse le plancher, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, elle se fait aussi un solde. De tout compte. Non, mais tu sais, elle se voilà. fait un. Comment on appelle ça une autorisation de dépassement. Ouais, de crédit, quoi. Ouais, enfin, je sais plus comment on dit. Enfin, bref. Tu peux péter le plafond en ayant une prime plancher. Voilà. Voilà. En tout cas, comme beaucoup de pubs japonaises, parce que je parle pas des classiques, parce que les classiques, en fait. Elles font réfléchir. Non. Mais elles sont tellement basiques de chez basiques. Voilà, on met plein de minettes et puis hop, tiens, regarde, ça c'est pour un fast food. Ok. Bah voilà, bon bref, je préfère celles qui sont un peu plus fun. Voilà, mais comme d'habitude, les pubs un peu tordues, ben, c'est qu'au Japon qu'on les voit. Hein, au final. Ben oui. Voilà. Ben oui. Ils ont un sens de la publicité qu'on n'a pas chez nous. Hein. C'est... Ben non. Et c'est pour ça qu'on aime le Tanoshi Kokoku. Ben oui. Voilà, bon, bah écoutez, c'est la fin de cette émission. Je trouve que voilà. C'est bien passé. Eh oui. Oui. Merci de nous avoir suivis. Hein. Prochain rendez-vous. Non, pas du tout. Non, la semaine prochaine, c'est le Morning Attack. Ouais, la semaine prochaine, c'est le Morning Attack. Ouais, la meilleure des émissions. Non. Merci de nous avoir donc suivis. Rendez-vous vendredi à 22h pour Tonight. Ah, sauf si ça se décale, comme la dernière fois, on verra bien. Mais oui. Et puis du coup, ce sera le morning à 10h le dimanche. Oh, mais oui. Non. Non. Quant à nous, on se retrouve. Ils vont m'emmerder jusqu'à la fin. Quant mais à oui. nous, on se retrouve dans deux semaines, le 25 octobre. Et le portable 6 mai aussi, c'est parfait. rendez-vous dans deux semaines, le 25 octobre. Ça y est, je suis foutu. Allez, matané les globules. Salut. Bonsoir. Et oui. Bye. Enivrez-vous de l'actu otaku à l'apérotaque de 19h30 à 20h30.